Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme solide Mike. Les amis, vous avez vu PNL le gros bruit qu'ils ont fait? Oh, regardez l'équipe! Bon, il faut en profiter, forcément. Et j'ai vu que sur Twitter, il y avait un gros débat. Qui est le meilleur entre Nino et PNL? Il y en a, ils ont carrément dit qu'à cause de PNL, Nino, il allait rien vendre. Et je pense aussi la même chose. Mais bon, on va voir un petit peu sur le terrain ce qu'en pensent les gens. Donc on est à Aix-en-Provence et on va questionner un peu tout le monde sur le sujet. Like un maximum, on est parti. Excusez-moi, je peux vous poser une question, ça vous dérange pas? Oui, je ne parle pas très bien le français, mais... Est-ce que vous écoutez un petit peu des musiques, du rap français? Non. Vous avez vu ce qu'a fait PNL récemment? ODD? Oui. Vous avez l'air d'être de grands fans de PNL. Bah ça va, j'aime bien, ouais. Qui de Nino ou de PNL sont les meilleurs? Je dirais qu'ils sont différents. Déjà, on peut pas réellement les comparer. Mais si je devrais en choisir qu'un, je dirais PNL. PNL, ça vous dit quelque chose? Non. Ah, bon, ben c'est problématique parce que la question concernait des rappeurs français. C'est dommage parce que je suis PNL en fait. Oh. Je suis le chanteur PNL. Congratulations. Mais vous avez le droit aussi de dire entre Nos et Nino ou Ademo et Nino. Parce que les deux sont, ne se valent pas forcément. J'écoute pas vraiment Ademo et Nos. Et puis dans tous les cas, je dirais Nino quand même, parce que j'aime bien son flow particulier. D'accord, mais en fait, Ademo et Nos, c'est ce qui constitue PNL. Tarpin. C'est pas grave, on va se rattraper. Et je voulais savoir ce qu'on pensait un petit peu de ma musique. Ouais, je l'avais écouté. Ouais, c'est vrai. Ouais, je la voudrais écouter, mais ok, c'est soir. Est-ce que vous pouvez me chanter un petit peu l'air, l'air. Non, je ne l'ai pas jamais écouté, je la vais écouter. D'accord. Ok. Le monde ou rien. Ouais. J'écoute du rap italien et du rap, du trap italien, mais pas du rap français. En fait, on a un petit peu volé le style italien, on a fait des cheveux longs et tout dans les clips. Ouais, c'est bon. C'est une bonne idée parce que le style italien, il est cool. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, entre Ademo, c'est le grand frère, c'est celui qui avait les cheveux courts avant, et Nos, c'est le plus costaud. Du coup là déjà je me sens tarpin con donc je sais plus trop quoi dire en fait déjà, mais ça arrive hein, on est fatigué, on est dimanche. Et je dirais que entre Ademo et Nos du coup et entre les deux, ouais. Je dirais le plus costaud jusqu'au dernier gramme, c'est dans tous ces sons là je préfère Nos. Une punchline qui vous a le plus marqué de Nos? La manière dont tu comptes en dit long sur ce que t'as brassé, la manière dont tu pompes en dit long sur ce que t'as sucé. J'avoue, elle est lourde, ça. J'arrive à reconnaître la tête des gens qui écoutent ou qui n'écoutent pas du rap. Ah ouais, ils ont quelle tête? Ouais, ils sont un peu plus énervés ceux qui écoutent du rap. Ils sont comme ça un peu dans la rue. T'as vu? Ils veulent ressembler à leur rappeur préféré un petit peu. T'es junkie, frère. Je vais appeler le junkie, tu vas voir, il va vous mettre sous méthamphétamine, il va vous calmer. Qui de Nino ou PNL préfères-tu? Ah, c'est tendu, hein. C'est tendax, hein. Je sais pas, c'est deux moods différents en fait. Ouais, mais t'es plus dans le mood de Nino ou plus PNL toi? Bah en vrai ça va dépendre des périodes. Peut-être là en ce moment plus PNL, mais ça va dépendre des moods en fait. Vous avez vu ce que PNL a fait récemment? Ouais ouais, ODD, trop lourd. Et du coup t'es resté combien de temps sur le live toi? Moi je suis pas au chômage donc je suis resté 5 minutes. Qu'est-ce que t'as contre ceux qui sont au chômage? Rien mais... Moi je suis au chômage, Semsem est au chômage, il est au chômage. Lui là? Il est au chômage lui? Ouais, il y a un moment où tu te disais Nino il est meilleur que PNL quand même. Après il est pas, c'est pas, parce que c'est différent, c'est carrément différent je trouve. C'est pas du tout le même délire. Après ça reste sur le même créneau rap tu vois, mais c'est pas du tout le même délire. Donc ouais. je pourrais pas les comparer en fait. Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre comme question, mais il fallait la poser, t'as vu, pour le buzz, on a rien à foutre. Ouais, ouais. PNL et Nino ensemble aujourd'hui. Alors, il y a que des stars ici. Merci gros, merci en tout cas. Ah, force à vous les gars. Ouais, du coup je voulais vous demander entre Nino et PNL, qui vous préférez? Moi je préfère Didio. PNL. Ouais, PNL. C'est parce qu'ils sont beaux. Ouais, un peu. Un peu, ouais. Je le savais. Ça veut dire que Nino il est pas beau? Non, mais bon, je préfère PNL quand même. Bon d'accord, et toi c'est pareil? C'est pas mon style, ouais. C'est pas ton style Nino? Non. Il est riche Nino. Ok, alors un peu. C'est pour savoir que je vois quitter. Ah ouais? Moi t'es youtubeur. Ouais, je m'appelle Inst. Wesh l'équipe! Ah, tu l'as pas dit? Abonne-toi, vas-y, rattrape-le. Attends frérot, j'ai oublié de te dire un truc. Faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, Solid Mike. Tu m'as jamais vu avec lui. Je suis très souvent avec lui, hein. Ouais, je suis son cobaye, il me fait faire des expériences bizarres. Tu sais qu'avant chaque écoute, genre un album, il me le fait écouter, il voit si je deviens pas fou, et ensuite il écoute.
Tu as vu, je suis un peu le goûteur, tu sais, comme dans Astérix et Obélix, le mec qui mange le gâteau avant Cléopâtre et tout. Goûte, goûteur. Avec joie, ô marin. Oula, 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 oula. Merci en tout cas, solide Mike, n'oublie pas. Merci frérot. Qu'est-ce que tu penses des michetots? Comme elle là? Ouais. Je rigole, c'est pareil. Non, il en faut, hein, il en faut. Sinon, ah, il en faut. Les riches qui sont moches, il faut bien des michetots, non? Moi, t'as raison, hein. C'est pour ça que j'essaie de devenir riche. Hein. T'as tout compris, mon pote. Merci en tout cas. Wesh, l'équipe, j'apparais dans la vidéo de Solid Mike. Abonnez-vous, les gars, et lâche ton like parce que je sais que tu l'as pas lâché. Je te connais d'office, Zinc. Et moi, ma chaîne YouTube, c'est LNST. Let's go, on va poser des questions. Nino ou PNL, encore une fois, mais en mieux. J'ai traître. Ah, mais Zinc, tu dis NOS, mais tu sais que c'est NOS. NOS. Like pour NOS, commente pour NOS. Vas-y, viens, on va là-bas. La fontaine, là, c'est qu'ils sont en train de danser là. Tu danses avec eux, genre t'arrives, tu danses avec eux. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais danser? Ah, moi je sais pas danser, hein. Vas-y, tu danses. Il me reste quelques traces de la tectonique, mais... Du coup, je voulais poser la question, entre Nino et PNL, qui vous préférez? Nino. PNL. Ouais, je sais pas, les deux je les aime bien, moi. Nino, pourquoi Nino? Bah, je préfère son style. T'aimes bien les Renois? Ouais. Bonsoir. Excuse-moi. Ouais, ça va, tranquille. On a juste une petite... T'es avec qui au téléphone? Avec ma copine. Ah, c'est bon, venez, on le laisse parce que là, ça a l'air sérieux. On repasse tout à l'heure si tu veux. Vas-y, c'est bon, frérot. Vas-y. Que ce soit fille, garçon, yes. Voilà. Plus de danse aussi, du coup, plus de hanches et tout. Dancehall, ouais. PNL, pourquoi PNL? Tout simplement parce que je connais que PNL, donc que PNL. Tu connais pas Nino? Tu connais pas? J'ai entendu, mais j'écoute plus de musique sur PNL. Fond du lourd. Mais toi, tu arrives pas à te départager du coup. Si tu me parles de Nino, pour danser, il y a des sons pour bouger. PNL, c'est pas pour bouger, c'est pour fumer. C'est tout. Ouais, c'est pour fumer un bon pétard. Bah, moi, je fume pas de pétard, mais j'écoute pas du PNL. Moi, je fume pas de pétard et j'écoute du PNL. Ah, pareil, on est les mêmes, frère. Merci. Ils sont bien, les jeunes, ils sont bien éduqués. On prend les paris, PNL ou Nino? Mettez vite en commentaire, je vous laisse 10 secondes. Allez, c'est parti, moi je dis PNL. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Dites-moi, entre Nino et PNL, qui vous préférez? Nino. Ça les jeunes maintenant? Qu'est-ce que vous faites, l'équipe? Tu connais PNL, Nino? Bien sûr. Tu préfères qui entre les deux? PNL. Pourquoi? Parce que j'aime bien. C'est tout? Ah, mais t'as bien vu, il nous a fait attendre un an et demi. Ouais. Tant pis. Ouais, c'est ça. Genre, ça veut dire quand le bus il doit arriver, il met une heure, tu l'attends? Non, pas trop. Et Nino, t'en penses quoi? Tu penses. C'est un bon, mais j'ai mon collègue que je l'aime trop. J'avais parié que c'était PNL que vous allez préférer. Donc j'ai perdu mon pari, bordel. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est à l'eau. Ah ouais, c'est à l'eau. Frère, on se casse. Merci pour votre participation. On le fera peut-être à la fin de la vidéo. Mais pas tout de suite parce qu'il reste encore des gens à questionner. Il fait de l'impro? Hein? Il fait de l'impro? Ouais, il aime. Ah ouais, vas-y, appelle-le. Ouais, il fait du rap. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est lui, Nino. Ah bah, c'est ça. Viens, c'est pour une chaîne YouTube. Tu veux pas, Zach? Mais viens, ça va bien passer. Tu veux pas? Il veut pas. Bonjour, excusez-nous. Oh putain, elle a accéléré, donc ça veut dire c'est mort. Pas d'harcèlement ici. La chaîne, je veux pas qu'elle coule. Abonnez-vous, les gars, encore une fois. Annonce, qui va dire quoi? Franchement, ils ont une tête, Jaja et Kinas, t'as capté? Mais bon, là, c'est PNL ou Nino. Donc je pense, eux, c'est des mecs PNL. Ça se voit, la démarche et tout. Vous préférez qui entre PNL et Nino? Il y a duel, hein. Ah, c'est mitigé. Ouais, c'est chaud quand même. Chaud. Mais vraiment. Moi, Nino. Nino? Ouais, j'aime pas trop le club rap comme ça. Ouais, parce que PNL, genre, ils sont trop mous. Genre, je sais pas, genre, ils ont un certain flow, mais genre, ils sont ralentis un peu. Genre. Robotique, genre. Ouais. T'as vu la démo, comment il est? T'es pas les deux. Je sais pas. Non. Ah, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai parié tout à l'heure avec mon collègue. Je me suis dit, vu votre dégaine, vous êtes des mecs PNL, frais et tout. Et je me suis dit, ça y est. Oui, peut-être un peu, t'as vu avec ça. Non, ouais, je me suis dit ça. Je t'ai dit la même chose. Ouais. Papa dit, je dois avoir un gage en échange. Quel gage? Et ils se sont trompés, donc normalement tu leur traînes. Toi tu t'es trompé. Tu as dit PNL, ils ont dit Nino. Donc normalement tu aurais dû dire bon, je dois faire quoi maintenant comme gage? Quoi? Quel gage? Oh, c'est fou ce mec. Comment c'est un gage? Oh, il me dit, il y a des gages. Genre, si je me trompe, il y a un gage. Bon, attends, tu sais quoi?
dans les commentaires, choisissez mon gage. Parce que là, je me suis trompé. J'avais dit PNL, mais en fait, il préférait Nino. C'est bon ? Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites en commentaire si vous voulez que je refasse des micro-trottoirs un peu dans le même style. Bon, et les meufs, elles m'ont dit de sauter dans l'eau, donc c'est ce que je vais faire. Vous croyez vraiment que j'allais me défiler ? En fait, je vais le faire dans la prochaine vidéo si j'arrive à obtenir 1000 likes. À 1000 likes, je vais poser des questions dans la rue. Et si je me trompe sur mon pronostic, eh ben, elle me donne un gage. C'est bon comme ça ? Allez, like. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là ? Like !